السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن هذه الحصة سأخصصها لواحد فرد محروس نقوم بتصحيح ديالو بالنسبة لمستوى أولى بكالوريا اقتصاد أو ايكونومي. إذن على بركة الله، الموضوع سترونه الآن أمامكم باللغة الفرنسية. دونك سوا أ إي بي دو زيليمون غيال ستريكتومون بوزيتيف، ساشون كو لوغ دو أ إيكال 3,5 لوغ دو بي égal à 2,8, calculer log de AB, log de A sur B, log de 10A, log de racine de B, log de A3, log de A carré B. Deuxième exercice, résoudre dans R les deux équations E1 et E2. Troisième exercice, vous allez calculer les limites des différentes fonctions que vous avez devant vous. Et l'exercice 4, de même, vous allez calculer les limites de certaines fonctions. Alors, je vous donne le temps de stopper la vidéo, bien sûr, et vous allez le lire et le relire convenablement. Puis vous allez répondre à différentes questions et en fin de compte, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Donc, je passe directement à la correction de l'exercice. Donc, c'est un devoir très simple. Il suffit tout simplement d'appliquer ce que vous avez vu dans votre cours et vous allez de bonnes notes. Alors, vous aurez de bonnes notes, bien sûr. Alors, je passe maintenant à log de AB. Alors, vous savez que log de AB, c'est quoi? Puisque A et B sont positifs, donc c'est log de A plus log de B. Ce sont des propriétés que vous devez comprendre et apprendre par cœur. Donc, log de A, c'était 3,5 plus log de B est égal à 2,8. Donc, vous allez faire la somme, ça donne 6,8, ou plutôt 6,3, pardon. Donc, 6,3. Parce que vous avez 8, 5, 3, 2, 5, 6, 6. C'est bien ça. Donc, log de A sur B. Donc, c'est quoi? C'est log de A moins log de B. Alors, log de A, c'est 3,5. Moins log de B, c'est 2,8. Donc c'est quoi? C'est 0,7, je pense. Donc, c'est bien 0,7. Donc voilà, donc c'est 0,7. Je passe maintenant à log de 10A. Donc log de 10A, c'est log de 10 plus log de A. Vous savez que log de 10 c'est 1, plus log de A c'est 3,5, donc c'est 4,5. Donc log de racine de B, c'est log de B à la puissance 1 demi, donc c'est 1 demi log de B, c'est-à-dire c'est 1 demi fois log de B, c'est 2,8, donc c'est 1,4. Log de A3, donc c'est 3 log de A, donc c'est 3 fois 3,5, donc c'est 9, donc c'est 10,5. Log de A carré B, c'est log de A carré plus log de B, et comme log de A carré est égal à 2 fois log de A plus log de B, c'est-à-dire 2 fois 3,5 c'est donc 7 plus 2,8, donc c'est 9,8. Alors vous remarquez que ce sont des questions simples, donc il suffit de simplement d'avoir vos connaissances en les propriétés que vous avez vues devant vous. Vous avez vu, bien sûr. Donc, il faut bien apprendre les propriétés pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors, maintenant, on va passer à la résolution de certaines équations. Alors, la première des choses à faire, c'est de trouver le domaine de définition. Alors, pour E1, donc le domaine de définition, c'est normalement l'ensemble des x qui appartient à R, tel qu'il faut que ce qui est à l'intérieur de la parenthèse doit être supérieur à 0. Et de même, pour 7x plus 1 doit être supérieur à 0. C'est-à-dire, x doit être supérieur à 1 et x ici supérieur à moins 1 sur 7. Alors, si vous appliquez bien sûr une droite, vous savez bien sûr que moins 1 sur 7 se trouve à peu près à gauche de 0 et 1 se trouve ici. Donc, il faut que x, on a dit, supérieur à 1 et x supérieur à moins 1 sur 7. Alors, vous savez que
c'est-à-dire l'intersection entre ces deux intervalles, ça veut donc tout simplement que le domaine de définition, c'est l'ensemble des x, tel que x soit supérieur à 1. Donc voilà votre domaine de définition. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez trouver le résultat, vous devez quand même prouver que cette solution appartient, oui ou non, au domaine de définition. Alors, revenons à notre équation. Log de x moins 1 égale à log de 7x plus 1, ça veut dire tout simplement que x moins 1 égale à 7x plus 1. C'est-à-dire x moins 7x, ça donne moins 7x. Et je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça donne 2. C'est-à-dire que x égale à quoi? Est égal à moins 2 sur 6, moins 2 sur 6, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Alors là, est-ce que moins 1 sur 3 appartient au domaine de définition? Bien sûr que non. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Alors, moins un tiers, ce n'est pas une solution. Alors, maintenant, pour la solution, pour l'équation 2, de la même manière, donc l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 3x plus 2 doit être supérieur à 0. C'est-à-dire que x doit être supérieur à moins 2 tiers. Alors, le domaine de définition, je l'écris ici, donc c'est moins 2 tiers plus l'infini. Alors, si je commence à résoudre l'équation, donc log de 3x plus 2 égale à 3 log de 2. Je sais que 3 log de 2, c'est log de 2 à la puissance 3. Alors, par comparaison, c'est-à-dire que 3x plus 2 sera égal à 2 à la puissance 3, c'est-à-dire égal à 8. C'est-à-dire que 3x est égal à 8 moins 2, ça fait 6. Donc, x égale à quoi? 6 sur 3, c'est 2. Alors, 2, il appartient bien sûr au domaine de définition, d'où la solution, c'est 2. Donc voilà donc la réponse à cette question. Maintenant, on va passer à la calcul des limites. Alors, le calcul des limites, c'est il faut avoir bien sûr un bagage concernant cette leçon-là, concernant les limites. Donc, cette leçon, c'est très intéressant. Vous l'aurez bien sûr l'année prochaine. Donc, il faut s'entraîner. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine de x au carré moins 3x plus 2 sur x. Alors, je fais, c'est la limite en plus l'infini. Je peux même faire x au carré en facteur. Donc, j'aurai ici 1 moins 3 sur x plus 2 sur x au carré sur x. Alors, je continue, c'est la limite en plus l'infini. Donc, racine de ab, c'est racine de a fois racine de b. Donc, la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc, 1 moins 3 sur x plus 2 sur x au carré sur x. Comme la valeur absolue du x est égale à x car x tend vers plus l'infini, alors je pourrais simplifier. Donc, il me reste x avec x. Donc, il va me donner tout simplement, c'est la limite de 1 moins 3x plus 2 sur x carré, moins 3 sur x. Donc, puisque ça tend vers 0 et ça tend vers 0, donc c'est racine de 1, donc c'est égal à 1. Donc voilà pour la première limite. Donc je passe maintenant à la deuxième limite. Je ne sais pas si j'aurai l'espace. Non. Donc il faut réserver un peu d'espace. Donc pour la deuxième, donc la limite, lorsque x tend vers 2, de racine de x plus 2 moins 2 sur x moins 2. Alors je vous donne tout simplement la méthode oralement, mais vous savez comment le faire. Donc il faut multiplier par le conjugué. Alors qui dit le conjugué? C'est-à-dire que vous allez multiplier par racine de x plus 2 plus 2. Donc a racine de x plus 2 fois moins 2 fois racine de x plus 2 plus 2, ça donne x plus 2 moins 4. C'est-à-dire c'est x moins 2 sur, il reste x moins 2, sans l'oublier bien sûr de multiplier par x plus 2 plus 2. Alors ici, vous pouvez simplifier. Ça vous donne tout simplement la limite en lorsqu'il tend vers 2, pardon, de 1 sur racine de x plus 2 plus 2. Alors, si vous remplacez x par 2, 2 plus 2, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, il reste 1 quart. Donc, voilà la limite pour cette question, pour cette fonction. Donc, je passe maintenant à la limite en moins l'infini de moins 2x3 plus 12x plus 1 sur 3x3 plus 2x. C'est très simple. Il suffit tout simplement de prendre
la fonction au grand degré de côté de numérateur et du dénominateur, donc c'est-à-dire moins 2x3 sur 3x3. Alors si vous simplifiez, donc il me reste moins 2 tiers. Donc il me reste la limite en moins l'infini de 2x7 plus 3x moins 1. Donc c'est la limite en moins l'infini de 2x7. Puisque 7 est un nombre qui n'est pas pair, c'est-à-dire vous aurez moins l'infini. C'est-à-dire il n'est pas divisé par 2, donc vous avez moins l'infini à la puissance 7, ça sera moins l'infini. Et en fin du compte, vous allez chercher la limite lorsqu'il tend vers 2 de 2 racines de 3x4 moins 12. Alors il suffit tout simplement de remplacer x par 2 à la puissance 4 moins 12. Alors 2 à la puissance 4, c'est 48. C'est 16, pardon. 16 fois 3, c'est 48 moins 12, c'est 36. Racine de 36 fois 2, donc c'est 6 fois 2, c'est 12. Donc voilà les limites. Maintenant, je passe à l'exercice, bien au dernier exercice concernant les limites. Alors, on vous a donné bien sûr limite de f du x en 5 et limite de g dx en g. Alors, si je cherche maintenant la limite lorsque x tend vers 5 de 3f moins 2g fois x, normalement c'est la limite lorsque x tend vers 5 de 3f de x moins limite de 2gx sur ça, il n'y a rien donc sur 1. Donc c'est-à-dire c'est la limite de 3f de x, donc c'est 3 fois limite de f de x, et comme limite de f de x est égale à moins 4, il reste moins 2 fois la limite de g de x, c'était 9, donc ça donne moins 12 moins 18, donc c'est moins 30. Voilà pour la première question. La deuxième question, la limite lorsque tend vers 5 de f de x plus 3g de x sur 2f de x. Ça sera égal à la limite de quoi? De f de x plus 3, la limite en 5 de g de x, le tout sur 2 fois limite de f de x lorsqu'il tend vers 5. C'est-à-dire, donc, limite de f de x, c'est égal à moins 4, et g, c'est 9, donc 9 fois 3, c'est 27, sur 2 fois limite en f de x, c'est moins 4 fois 2, c'est moins 4 fois 2, pardon, c'est moins 8. Donc, 27 moins 4, c'est 23, je pense, c'est bien 23 sur 8. Avec moins, donc vous aurez un signe moins. Donc, il me reste la limite, cette fois-ci, lorsqu'il tend vers 5, de x carré moins 25 f de x sur x moins 5 fois g de x. Donc c'est la limite en l'escalant vers 5. X carré moins 25, c'est une identité remarquable que je peux l'écrire de la manière suivante. Donc fois f de x sur, ça c'est sur x moins 5 g de x. Alors si je simplifie ici, donc ça sera la limite lorsqu'il tend vers 5 de x plus 5 fois f de x sur la limite lorsqu'il tend vers 5 de g de x. C'est-à-dire limite lorsque je remplace x par 5, ça me donne 10 fois la limite de f de x qui est égale à moins 4 sur la limite de g de x. C'est moins 9, c'est 9. Donc, ça me donne moins 40 sur 9. Voilà. Et ici, il me reste maintenant la limite lorsqu'il tend vers 5 de f au carré de x sur racine de g de x. Donc, c'est la limite en 5 de f de x
au carré sur la limite de racine de g de x. C'est-à-dire, c'est la limite en 5 de f de x que je dois multiplier par 2 au carré sur la limite de g de x en racine. C'est-à-dire, la limite de f de x, c'était égal à moins 4. Donc, moins 4 au carré, c'est 16. Limite de g de x, c'est 9. Et racine de 9, c'est 3. La dernière question, c'était limite en 5 de f de x sur g de x au carré. Ça n'est autre que limite de f de x au carré. Limite de f de x au carré sur la limite de g de x au carré. C'est-à-dire, c'est la limite de f de x sur la limite de g de x, le tout au carré. Donc, la limite de f de x est égale à moins 4. Donc, ça donne au carré, c'est 16. Et la limite de g de x au carré, c'est 81, je pense. Donc, la limite de f de x, c'était 4. Donc, 4 au carré, c'est bien 16. Et 9 au carré, c'est 81. Voilà. Donc, voilà, on a terminé donc cet exercice. J'espère que cela pourrait vous être utile. Je vous remercie quand même de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.